y a un petit problème, monsieur. Vous deviez rendre ces livres plus tôt. J'ai peut-être un peu de retard, mais je paierai pas une amende. Le règlement est formel, désolé. N'y comptez pas. Lâchez-moi. Tout le monde d'accord, le plus cool de tous, c'est Hanson Carter. Qui c'est, il est chanteur ou musicien? Ni l'un ni l'autre, Hanson est l'animateur vedette de Canal M. Pas vrai qu'il est à tomber. Oh. Salut, c'est moi, Hanson Carter. Je cherche une fille à la personnalité particulière pour présenter avec moi une émission sur Canal M. Envoyez-moi une vidéo de vous pour que je puisse juger de votre talent. Dans quelques semaines, on travaillera peut-être ensemble. Oh, ça c'est la chance de ma vie. J'envoie une vidéo, bien sûr je suis sélectionnée, Hanson tombe amoureux de moi. Et c'est l'union parfaite, on ne se quitte plus jusqu'à la fin de nos jours. Clover, je suis pour la liberté d'expression, mais là on est dans un lieu public. Je rentre vite pour me filmer. Franchement, c'est dégoûtant. Un aspirateur puis une poubelle. Merci pour tout, Jerry. Oh, Jerry? Je suis là. Waouh, super votre déguisement. Vous allez à un bal costumé, Jerry? Non, j'ai mis la tenue qui convient pour une grande cérémonie. La reine va m'armer chevalier. Alors elle va vous adouber avec une épée, vous allez être anobli et ensuite on vous appellera sœur? Exactement. Cela m'a surpris. Je ne m'attendais pas à un tel honneur. Oh, on peut vous accompagner? Moi, je rêve de rencontrer la reine. On assiste à la cérémonie que sur invitation, mais vous partez pour l'Angleterre. Tout de suite? Je peux pas, je dois enregistrer immédiatement une vidéo qui peut faire de moi une star de la télé. Vous allez devoir différer un peu votre projet. J'ai une mission urgente pour vous. Un phénomène étrange frappe certains habitants de Liverpool. Leur personnalité change du tout au tout en un clin d'œil. Voyez-vous-même. Une timide bibliothécaire se prend brusquement pour une catcheuse professionnelle. Un célèbre chirurgien ne peut plus arrêter de danser et cet éminent général traite ses subalternes comme des enfants en bas âge. C'est inquiétant. D'autant plus que certaines victimes ont d'importantes responsabilités. Il faut trouver au plus vite l'origine de ces comportements étonnants. Certes. Bon, alors passons à vos gadgets. Vous disposerez du rouge à lèvres laser, de boucles d'oreilles micro-com, de la barrette passe-partout, ainsi que des bottes à semelles ventouses et des gavailles. Des gavailles? Gants à vapeur infectes. Si vous les utilisez, c'est à vos risques et périls. Je ne vous le fais pas dire. Sur ce, au revoir. La reine m'attend. Salut Hanson, je m'appelle Clover et je suis super originale. Alors c'est bon, ne cherche plus, je suis la perle rare qu'il te fallait. Avec moi, tu vas faire exploser l'audimat. Une animatrice ultra hip et hyper hop. C'est le top pour Canal M. 20 sur 20, t'étais parfaite Clover. Merci, il me reste plus qu'à envoyer la cassette et à croiser les doigts. Et aussi peut-être à te charger de notre mission. Vraiment bibliothécaire? Parce que vous avez plutôt l'air d'être une véritable athlète. Je l'étais jusqu'à jeudi dernier et puis ma vie a changé. Et s'est-il passé exactement? Je travaillais à la bibliothèque quand une lumière a jailli. Elle m'a aveuglée et ensuite je n'étais plus une faible femme mais une redoutable catcheuse. Je comprends pas là, expliquez-nous. Avant j'arrivais tout juste à soulever quelques bouquins ou une tasse de thé. Maintenant je lève à bout de bras plus de 80 kilos. Ce soir j'ai un match contre un gros balèze de Kensington. Vous voulez venir? Ça aurait été avec plaisir, mais nous avons déjà prévu quelque chose. Comme vous voudrez. Ce n'est pas pour vous mettre à la porte, mais j'ai mes abdos à travailler. Oh.
c'est de la science-fiction, vous en connaissez beaucoup, des bibliothécaires catcheuses professionnelles, vous? Non, ça n'existe pas plus que des lycéennes qui font de l'espionnage à échelle mondiale. Mauvais exemple. Oh, regardez! Le boucher de Birmingham abandonne le catch pour mener une vie plus paisible. Il a probablement pris un coup de trop sur la tête, bim! Hein? Ou alors... Ou alors, il a brusquement changé de personnalité. Il en a peut-être assez de combattre? Eh bien, je doute qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Pour moi, le catch, c'est du passé, terminé. Je préfère lire un bon bouquin. Mais vous êtes le boucher de Birmingham, la terreur du ring qui massacre en un clin d'œil tout ce qui franchit des corps? Eh oui, j'étais le boucher de Birmingham jusqu'à jeudi dernier. C'est alors que j'ai découvert Zola et Emily Brontë et Balzac. Vous ne connaîtriez pas par hasard la responsable de la bibliothèque de Liverpool? Non, mais j'aimerais rencontrer cette dame. On a probablement beaucoup en commun, elle et moi. Eh bien, merci. On vous laisse vous plonger dans vos lectures. Je ne fais plus que ça. Ça me passionne. Moi qui me sentais déjà aux frontières du réel, je viens d'entrer dans la quatrième dimension. Étonnant, ça me rappelle l'école quand on s'amusait à imiter quelqu'un. C'est exactement ça, Alex. On dirait qu'ils ont fait un échange de personnalités. C'est impossible une chose pareille. Et en plus, ils ne se sont jamais rencontrés. Il y a une explication et on doit la découvrir. Avouez que la chose est impressionnante. Même quand je porte une tenue classique, je suis tout aussi éblouissante. Tu veux voir quoi dans l'agenda de la bibliothécaire? Son emploi du temps, et plus spécialement tout son programme du jeudi dernier pour y chercher un lien avec notre catcheur. Voyons ça, apparemment elle avait rendez-vous avec un certain docteur Gray jeudi matin. C'est un psychiatre. Il a une clientèle de généraux, de scientifiques, d'enseignants et également de célébrités comme le boucher de Birmingham. Le voilà, le lien avec la bibliothécaire. Et si on allait rendre visite à ce médecin? Waouh, c'est total sinistre. Il pourrait quand même vivre autre part que dans une maison de films d'horreur. Tous les psys adorent les ambiances sinistres. Y a personne apparemment. Il faut qu'on se débrouille pour entrer. On a bien un gadget pour entrer par effraction. Un bon coup de pied et l'affaire est réglée. Multifonctions sont vraiment géniales. Bon, les filles, séparons-nous pour la visite. On reste en contact avec les boucles d'oreilles Microcom. Eh ben, à part la déco hallucinante, tout est normal dans cette chambre. Pareil pour ici. Et de ton côté, Alex? Je suis dans une pièce tapissée de livres. Je connais un catcheur qui adorerait s'installer ici. Alex? Bah Alex, qu'est-ce que t'as? Oh, pas de réponse, il faut la retrouver. Sam, t'es là? Hey, tu m'entends? Allô? Je commence à me sentir seule. Alors j'ai dévalé la cascade dans un tonneau, j'ai rattrapé le yacht de ce criminel et il est en prison pour des années. Oh, comme c'est intéressant, vous avez une vie exaltante. Pardonnez-moi, votre Altesse, je m'absente une minute. Allô? Jerry, c'est Clover, j'ai vraiment un gros problème. Alex et Sam ont disparu tout à coup et j'ai besoin de votre aide. Je regrette, mais il va m'être impossible d'intervenir dans les plus brefs délais. Comment c'est impossible? Si vous ne venez pas immédiatement à mon secours, je vais disparaître à mon tour. Et adieu, Hanson, Canal M et ma vie de star. Du calme, j'ai enregistré vos coordonnées. Je serai près de vous dès que je le pourrai. Une légère contrariété, Jeff. Oh, très légère, ce sont les affaires courantes. Les toilettes, c'est dans quelle direction?
Grand bon, les grands remèdes, j'ai foncé, me voilà. À qui donc appartient cette demeure? À notre principal suspect, le docteur Gray. Il intervertit la personnalité de ses patients. Pourquoi et comment, on n'en sait rien. Très intéressant tout cela. Si intéressant est synonyme d'effarant, je suis entièrement d'accord. Je ne parlais pas du décor. Je faisais allusion à cet objet. Qu'est-ce que c'est? Un pendule. Le genre qu'on utilise pour l'hypnotisme. Il pèse lourd et côté look, il irait bien avec une tenue des années 60. Il est lourd parce qu'il y a un système électronique à l'intérieur. Je me demande à quoi sert ce bouton. Il sert à activer ma dernière invention. L'ajusteur comportemental de cette création révolutionnaire est bien sûr très controversé. Docteur Gray, je présume. Exact. Grâce à mon ajusteur comportemental, j'interchange de personnalité. Pour l'instant, je ne l'ai testé que sur mes patients les plus agaçants. Mais je suis persuadé qu'il fonctionne aussi avec les fouineurs dans votre genre. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi modifiez-vous la personnalité des gens? Parce que je suis fatigué d'entendre leur jérémiade permanente. Et j'ai pensé qu'en permutant leur personnalité, ils ne se plaindraient plus car ils verraient enfin la vie différemment. Et de plus, je trouve la chose très amusante. Amusante? Plutôt radicale comme thérapie. Vous poussez le bouchon un peu loin. La fin justifie les moyens, même les plus extrêmes. En fait, ma première expérience est un tel succès que j'envisage de généraliser le phénomène. Je compte d'ailleurs commencer par le président des États-Unis. Je lui réserve quelque chose de très spécial. Vous m'en direz des nouvelles. Nous vous empêcherons d'agir ainsi. Vous croyez? Eh bien, on verra. Débarrassez-moi d'eux. Bravo, belle technique. Merci, mais la vôtre aussi est performante. D'accord, dans ce cas, je vais vous régler votre compte moi-même. Ça va être vite fait. Ça va, un fou furieux nous a fait des embrouilles, Sam. Il est vrai que la situation était préoccupante. Oh, non, quel désastre. Oh, j'arrive pas à y croire. Bon, là, ça devient vraiment très bizarre. Ouais, c'est vrai, on veut savoir ce qui vous arrive. J'ai interverti leur personnalité, époustouflant, n'est-ce pas? Non, je rêve. Mais vous vous prenez pour qui, espèce de psychopathe? Faut vous faire soigner, hein. Je vous en prie, Jerry. Ce genre de réflexion n'arrange à rien. Soyez plus diplomate. Provocation, diplomatie, qu'importe. De toute façon, votre sort est déjà réglé. Attendez, vous n'avez encore rien vu. D'ici peu, votre minuscule cellule sera envahie par une multitude de rats. Ils sont affamés, ils feront honneur au festin. Ce sera une torture à la fois physique et psychologique. Ok. Oh, je supporte déjà mal les souris. Alors là, c'est l'angoisse. Arrière, infâme créature, hoste! Ces rongeurs sont répugnants. Qu'est-ce qui est le plus effrayant, la présence de ces rats ou leur changement de personnalité? Je ne sais pas. Glover, vite, dans ta poche, le rouge à lèvres laser. Excellente idée, Samantha. Cool. Et maintenant, votre tour, les filles. Merci, Claver. Je veux dire Thierry. Oh, tout le plaisir. Et pour moi. Je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Il faut que ce cinglé vous remette la tête à l'endroit et immédiatement. Oh, juste ciel, qui peut m'appeler dans un moment pareil? C'est insensé. Oui, allô? Oh, j'en suis ravie, je n'y manquerai pas.
À bientôt. Ma candidature semble avoir intéressé Hanson Carter. Ma présence est requise à Los Angeles dans les plus brefs délais. Tu vas pas t'en aller? Dans cet état? Avec les manières d'un gentleman anglais et qu'un quinquagénaire? Ça craint, mais il va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Nous trois, on doit filer à Washington pour porter secours au président. Oui, c'est Jerry. Oh non, j'avais carrément oublié. Bon, je fonce. Salut, hein? C'était le palais. On m'attend pour la cérémonie. Oh, Jerry se désiste, il reste plus que nous deux. Il faut qu'on parle au président et tout de suite. C'est en rapport avec la sécurité nationale. On est navré d'arriver comme ça à l'improviste, mais c'est urgent. Oui, un psychopathe veut s'attaquer à vous, il faut faire vite. Comment? Quelqu'un veut s'attaquer au président des États-Unis? Cet individu doit être gravement atteint. Vous pouvez pas savoir à quel point il est bon pour l'asile. Bonsoir, mes respects, monsieur le président. C'est lui dont je parlais, il a un court-circuit dans les neurones. C'est le moins qu'on puisse dire, et on va le ratatiner en moins de deux. J'ai oublié de vous avertir que j'avais ajusté le comportement de mes gardes du corps en le permutant avec celui de deux champions de karaté. Alors peut-être va-t-il falloir retarder votre projet de me ratatiner en moins de deux, mesdemoiselles. Allez-y les gars, exécutez le plan comme prévu. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, Sam? La seule chose qu'on puisse faire, Alex, on revient à la charge avec l'artillerie lourde. On n'en a pas fini avec vous. Ce n'est pas sérieux, vous plaisantez. Quand il s'agit de sauver le monde, on a autre chose à faire. Fête de vos rêves. Ça sent bon, hein? Bien joué. On n'a plus qu'à enfumer le psy et l'affaire est réglée. Oh, son cerveau est peut-être déjà assez empesté. Content que tu sois là, Clover. Ta vidéo a été top canon. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment de m'avoir sélectionné. Bizarre, ta façon de parler. Tu emploies de drôles d'expressions. Bon, tu es prête à présenter les nouveaux clips? Indubitablement. Oh, quelle abominable cacophonie! Arrête, tu le fais exprès! Quelle musique de sauvage! Ne me dites pas que les jeunes apprécient ce vacarme! Les poubelles rebelles font du vacarme, ils sont numéro 1 au hit parade! On peut au moins leur reconnaître que leur nom leur va à merveille! Hey, dis-moi, c'est quoi ton style de musique, mademoiselle la râleuse? Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms, Bach. Je parie que votre public serait soulagé d'entendre une de leurs œuvres. Eh bien, peut-être qu'on essaiera, mais dans une autre vie, pas pour l'instant. C'est regrettable. Oh, désolé d'être un peu en retard. Vous êtes excusé, prenez donc place, Jerry. Donc, fête, merci de m'avoir invité à votre petite fête. Oh, franchement, je suis hyper content d'être là. Nous aussi, nous apprécions votre présence. Ah, je tiens à ce que vous sachiez à quel point c'est trop délire que vous veuillez m'anoblir. Oh, je trouve ça top. C'est encore plus cool que les soldes au centre commercial. Vous vous sentez bien, monsieur Lewis? Bien? Oh, mais je suis dans un état, ma biche. Allez, vas-y, adoube. Je suis prêt. Pardon. Vous n'arriverez pas à me neutraliser. Paris tenu, on ferait mieux de s'occuper des autres. Excellente idée. Ranimez-les et évacuez-les pendant que mes hommes se chargeront de ce clown. J'espère que Jerry et Clover s'en sont bien sortis. Le seul qui pour moi soit digne d'être appelé ainsi, le classique. J'ai horreur de la variété. J'aime Mozart, Brahms. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Je m'en remets pas, c'est ridicule. Je vais mourir de honte. Que devrais-je dire de mon comportement face à la reine? Maintenant, non seulement sa majesté me méprise, mais mes chances d'être anobli sont réduites à néant. Oh, c'est vrai, c'est dommage, Jerry. Allô? Oui, c'est moi. Sans blague!
Bien sûr que j'accepte. Je viens immédiatement. Il m'arrive un truc démentiel. Hanson, l'amour de ma vie, est submergé d'appels. Le public ne veut que moi comme animatrice. Oh, ma vie est un rêve. Mon amour me réclame. C'est génial. Vous pouvez me remercier, Clover. Je vais avoir besoin de votre aide. Je vais changer de personnalité avec vous. Passez-moi l'ajusteur comportemental. Ah non, je refuse, hors de question. Allez, Jerry. Arrêtez, j'ai dit non. S'il vous plaît, c'est très important, s'il vous plaît.